Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Olivia Moore, ce week-end, vous êtes allée voir Gangsterdam, le dernier film avec Kev Adams. Voilà, le film avec Kev Adams, le Emmanuel Macron des prépubères. Alors, je suis allée voir... Je suis allée... T'es dans ton rôle, hein, Arnaud. J'y suis allée avec mon beau-fils, qui est adolescent, pour le dérider un peu, parce qu'il a 14 ans et la joie de vivre d'une ampoule basse tension. Et moi, clairement, je compte pas me taper toutes les vacances scolaires avec le grand mou qui fait la trombine sur mon canapé. Alors, qu'est-ce que Gangsterdam ? C'est l'histoire de trois jeunes gens en fac qui se retrouvent malencontreusement dans un trafic de drogue international. Et ce film a fait polémique la semaine dernière à cause des propos de certains personnages. Alors, je reviens pas sur la polémique parce qu'elle est dans les journaux. En revanche, je reviens sur une phrase qui est prononcée par le réalisateur et le producteur du film, puisqu'ils ont déclaré « Non mais il faut pas présupposer que les adolescents sont débiles !» Alors moi, je ne présuppose pas que les adolescents sont débiles. Ils le sont. Et c'est d'ailleurs les aimer beaucoup que de les accepter comme ils sont, des crétins. On va recevoir des lettres d'adolescents maintenant. Non, ils savent pas écrire. C'est dégueulasse. Monsieur Olivier Amour, elle a dit qu'on était des cons. Je les attends avec beaucoup d'impatience. Attention, mais c'est pas de leur faute. Ils sont pas terminés, c'est tout. J'ai mon beau-fils, on voit bien qu'il est pas fini physiquement, mentalement. On dirait Jacouille entre deux époques. Non. Et comme son cortex préfrontal n'est pas encore abouti, il ne prend que des décisions à la con. Par exemple, on lui a interdit d'acheter de la drogue qui se fume, et ben il en fait pousser dans sa chambre, l'abruti. On lui a dit « Reste à la maison pour garder ta petite sœur », il se barre et il la surveille par Skype, cette andouille. Et quand je lui demande d'aller chercher une assiette dans le buffet de la cuisine, vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas 50 hein, des buffets dans ma cuisine, il me répond « Hein ? Quel buffet ?» Bref, le film donc. Bim, bam, boum, la chatte à McDoom. J'ai jamais été suicidaire, même avec craint dans le frigidaire. Voilà, la chatte à McDoom, ça, c'est l'ambiance du film. Voilà, et je vous laisse imaginer ma tête dans une salle entièrement remplie de pas finis. Hein ? Voilà, des pas finis mâles, des pas finis femelles, des pas finis mâles et femelles, parce qu'à un moment, ils étaient tellement emmêlés que je savais plus bien quoi était à qui. C'était moi et ma meuf. Ah, c'est ça. Pardon, jeune homme, rendez sa jambe à la demoiselle et sortez votre langue de son nombril parce que j'ai votre postérieur qui me gêne, merci. Hein, mon beau-fils a aussi adoré le moment où Kev Adams conduit une Porsche et il m'a dit « Tu vois, on peut être nul en cours et réussir quand même. Hein. » Et je dis « Oui, mais pour ça, il faut être Kev Adams dans Gangsterdam et toi, t'es dormeur dans Blanche-Neige et les Sept Nains. » Quand je pense que pendant ces vacances, je vais aussi devoir me cogner Baby Boss, vous savez, le dernier film du réalisateur des Madagascar. Alors Baby Boss, c'est l'histoire d'un bébé qui prend le pouvoir sur tout un foyer. Et ça me rappelle un truc. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, ma famille ! Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.